content opportunité que nous gagnons pour nous installer dans de la caillou, dans le salon, dans le chambre, dans le computer et même dans le téléphone pour nous capoter pour cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Au sommaire de l'émission du jour, amis téléspectateurs, dans un premier temps, nous aurons des séries d'interviews avec les musiciens et des proches du groupe musical Aïe Compa qui était organisé une soirée en prélude de la sortie de leur premier CD. C'était vendredi dernier dans Casa Champêtre. Des images à l'émission du jour. Dans un deuxième temps, amis téléspectateurs, nous avons rencontré avec l'excellent chanteur, musicien, compositeur Eddie François de Boucanguinin qui était fait nous connaître qu'il est très triste pour Haïti. À l'émission du jour, les déclarations en exclusivité de Eddie François de Boucanguinin. Et puis, nous allons vers une élégante fête des pères dans Boynton Beach, Florida, sur initiative de Double L Production avec le groupe Harmonique. La soirée est prévue pour le samedi 16 juin prochain. À l'émission du jour, une interview avec Linda Lambert de Double L Production. Et puis, amis téléspectateurs, le rendez-vous du 23 juin prochain, c'est la célébration du deuxième anniversaire de Harpy TV. À l'émission du jour, nous pourrons gagner Capi du Tabou Combo qui pourra inviter nous en chantant, amis téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Après la pause, le développement de l'actualité. À l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire de Harpy TV, Roupi Production Television, nous tous invités dans la soirée ventinature du dernier CD en date de la mégastar du Tabou Combo Superstars, Capi, cap également en performance live. Rendez-vous samedi 23 juin 2018 dès 10h du soir à Casa Champêtre de Pengu Pines, Florida. Et également au menu de la soirée, cocktail de blagues avec les meilleurs comédiens de la ville. Kiki le blagueur, Aubry Blague, l'humoriste Gester Mésidor et Roupi the Entertainer. Invité d'honneur, le grand chanteur Casimir des frères Desjardins de Pétionville et l'excellent guitariste Ronald Smith en live. Exposition et vente de peintures traditionnelles venues directement d'Haïti. Rencontrez le staff de Harpy TV, venez dire bonne fête à Roupi Production TV et dansez toute la nuit au rythme de DJ Kiki, le meilleur de la cité. Rendez-vous 10h du soir, samedi 23 juin 2018, Casa Champêtre 7920 Pines Boulevard, Pembu Pines, Florida, pour chanter, danser et fêter avec Harpy TV. Admission, $20 à l'avance. Free CD de Capi du Tabou Combo inclus. Pour information, 54,29 $. Une autre fois encore, amis téléspectateurs, nous apprécions qu'on là, ensemble avec nous, pour nous capables d'aller vers le développement de l'actualité culturelle à Roupi Culturel TV Show pour cette fin de semaine. Premier élément d'information à l'ordre du jour, c'est la soirée de Aïe Compa à Casa Champêtre vendredi dernier. Le groupe musical Aïe Compa, composé d'excellents musiciens qui ont évolué dans la musique haïtienne non, depuis plus passé 20 ans, et bien, ils étaient ensemble pour organiser une soirée en prélude de la sortie de leur tout premier CD. Après Fête-Lan, nous t'ai rencontré avec plusieurs musiciens, avec des proches également de Aïe Compa. C'est notre collaboratrice Marlène qui t'a conduit interview. Qui j'en ai? Ah, vous-même. Ah, nous là, en forme. Ce qui j'en trouvé Aïe Compa aujourd'hui. Là. Mon cher, y aurait mettre frappe là comme si j'avais 10 000 mounanda. En forme. En forme. Donc, vous êtes content de jazz là? C'est un jazz nouveau, mais l'abvini. L'abvini. Faut une balle, une petite chance, l'abvini. Exactement. Sauf so, c'est qui le que y a fait, y a paraître avec un prochain album? Y a travail sous lit. Vous croyez, y aurait tout à faire de deux ou trois musiques. Et puis, l'abvini, il est supposé parler pour faire là, mais malheureusement, il n'y a pas parler, mais y a travail sous ça. Okay. La belle, oui, parce que ma l'entraînement, la belle,
est très belle. Donc, je vous souhaite une bonne chance. Grand pile jazz dans Miami, mais bon, ça, c'est une là-dedans. Il va saccager Miami. Ah bon, je suis très content. Parce que vous connaissez que Ronald fait partie de groupe Lantoul, il fait giga avec eux. Donc, normalement, je connais que nous avons un bon guitariste. Nous avons Joe Charles qui est très bien. Nous avons Gogo. Et tout. Enfin. Nous avons tout monsieur Zayo là qui. Bon. Nous souhaitons bonne chance. Hein? C'est ça qui bat jazz là, force. Parce que tout le monde, c'est qui joue dans le gros jazz déjà. Mm-hmm. Tout le monde connaît eux. Et puis, il est en forme. So, ça veut dire, et puis, comme je dis nous tout, c'est ça le jazz, c'est un bon juif là-dedans. So, t'as le well fait comme, parce que le bon juif est en errance. Ah oui. So, monsieur, t'as une bonne chance. Alors, on a parlé de Gary. Oui, Gary, Gary Zil. Je suis toujours là, depuis, il a joué, je suis toujours là. Parce que je suis bien tout le monde, je suis à la guerre. So, monsieur, t'as une bonne chance. Je m'amuse, et comme je dis, next time, je suis là encore. Monsieur, t'es moi avant. Et puis, oupi, compliment, on fait bon travail. Oui, ici là, nous avons avec nous ce soir le maestro Gogo de Aïkompa. Bon, bonsoir Marlene. Et c'est un plaisir pour vous avec Oubem et Oupi dans Oupi TV. Comme dit, you guys are doing a marvelous job. Oh, merci. Congratulations. Thank you. No. Donc, bon, moi que Aïkompa a bien frappé. Musique vraiment merveilleuse. Donc, n'a pas tant de noir un nouveau album très bien bientôt. Sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Son album que nous prenons nous pour nous préparer. Mm-hmm. Nous avons près d'un an et demi depuis que nous travaillons dans le studio. Mm-hmm. Écrit, effacé, écrit encore. Mais qu'on y a, nous pensons que nous avons un produit qui est extraordinaire, qui pourrait être sorti de réellement représenté. Talent qui vient dans le jazz. Mm-hmm. Tout effort que monsieur a fait, d'après moi, c'est un album que le public l'emprunt à l'apprécier. Je pense ça tout parce que je de nous cap jouer là, mon cher, vraiment, belle bagaille. Merci. Et, Dieu, nous faisons tout effort nous, pour nous satisfaire le public là. Malgré des grands piles là, puis je dis, mais hey, nous là, nous amusons nous très bien. Et pas penser l'heure que nous avons dansé, c'est nous-mêmes seulement qui avons amusé. Nous-mêmes, nous avons joué musique là, tout. Nous avons joué de cœur nous, nous avons amusé nous tout en l'air. Vous avez dit, c'est une wonderful party. Ah oui, moi ça parce que je dis, moi nous avons un Pantal qui t'a fait chanter, nous avons Smith Jean-Baptiste. Et tout ça. Oui, oui. Donc, vous avez une belle équipe avec vous. Oui. Donc, souhaitez-nous bonne chance. Merci, merci. Alors, ici, là, nous avons avec nous le grand chanteur de Aïkompa. Qui est-ce? Bon, nous en forme, jazz à marché là, zone, nous sommes là, nous sommes casés, casés à champette. Nous n'avons pas quitté rien, nous sommes en reconstruction. Ah bon? Ah oui. Ok. Mais oui, ça nous a dit à tout le monde qui a regardé, c'est que nous connaissons déjà, c'est l'homme dans ce qu'est l'Emilien. Et nous connaissons que notre travail d'un point de vue maquette haïtienne pour nous faire un bail positif. Nous avons un petit vie avec nous et puis nous avons tout le monde qui est avec nous. Donc so, c'est up to us now pour nous faire un bail positivement. C'est ça. Et c'est qui est que le public a attendu un nouveau album qui vient? Oh bon, nous dans le studio, ce qui est passé, c'est que nous avons fini toute la musique qui était là pour le mixage. Et nous pensons que notre titan qui pas loin, qui très court, nous n'avons pas bon temps déterminé parce qu'il faut nous joindre feu vert et ingénieur. Pour qu'on dise nous comment nous connaissons pas lagué en deux musiques avant, après ça pour nous laguer l'album. Non, parce que qu'on y a là, ça nous fait nous voulons tant de sons l'arrière, après ça pour nous laguer toute musique, mais nous ne pouvons pas laguer toute musique. D'un coup, nous voulons laguer deux musiques. Nous avons deux musiques qui ça c'est fini. Et puis nous travaillons sur lui. Et puis nous connaissons chanter déjà. Nous avons fait effort, c'est 9 euros, 10 millions, c'est quel millions. Et puis nous là, et puis nous suivons Bagayo, Tikal, Batikal. Bon, ok. Nous bien contents de faire une interview à vous à Soyan pour Opi TV, donc ça a été un plaisir. Mes amis, je dis tout le monde, Kotoé, ou même si on est ou ici, ou Miami, ou New Jersey, depuis n'importe où sur le réseau, branchez Opi TV, même branchez tout le monde. Eddie François de Boucan-Guinée, toujours là, a évolué, milité dans la musique haïtienne, malgré qu'il y a un pile de nous, peut-être pas tendé, parler de l'artiste. Eh bien, à notre rencontre récemment à Casa Champette, l'artiste Eddie François t'est confié dans le micro-nous que lui récemment sorti dans le pays Afrique,
Et côté que je n'ai aujourd'hui, il est très triste pour Haïti pendant que il y a un pile temps, il pas mettre pied dans le pays d'Haïti. Au micro de Marlène et Eddie François de Boucanguinet. Nous avons ici avec nous là, Lancassa Champette, Eddie François, que tout le monde connaît, c'est un grand chanteur haïtien. Donc Eddie Mabdou, bonsoir. Le bel tableau, Lancassa Champette, monsieur. On va y parler. Faut me dire que c'est un monument qu'il a. Ça son gros bagage qu'il a. Ça c'est frère qu'il a. Oui. C'est famille qu'il a. Oui, la famille, la familia. Je suis content, nous sommes honnêtes pour camper beaucoup de en géant comme ça. Moi, je ne pas dire rien parce que ça, c'est grand frère, et moi, je respecte net. Bon, même si on le moins tout, je suis quand même, bon, pour l'ensemble là, parce que moi-même, je ne pas gagner pour me dire. Tout ça, je me dis, c'est que en réunion, ensemble encore, pour être capable de faire la musique, ça a marché. Parce que là, on est bien. Il y a un qui a dit, on sait de nous, on a joué la musique après nous, qu'on a qui a fait tout ça, je suppose, fait. Et moi, je suis content avec chaque jour, par exemple, là, à Porto Rico. Avec tout le monde, je ne vais pas non. Parce que je ne vais pas l'accuser de ça. Parce que je ne vais pas le faire. Par exemple, je suis sorti en Goulême là, les films, 10 ans après, avant que je suis sorti en Goulême, je connais la monde qui est sous machine, des bagages, sécurité. Moi, je ne vais pas le faire. C'est parce que je ne vais pas le pays, je ne vais pas le c'est dur. Je vais aller honnête avec l'Oki Dobé, qui est ouvert pour nous, par exemple. À Paris, époque, on a joué Zénith, on a joué une série de côté à Paris. Et puis, Loki Doubé, c'est le tour qu'on a ouvert pour nous. Et puis, les finis qu'on a passé, Loki Doubé mourit millionnaire. Mais nous-mêmes, haïtiens, combien de musiciens haïtiens qui ont dit millionnaire? Ça c'est vrai. Combien là-dedans? Ça c'est vrai. Y'a pas en pile, pas gain du tout. C'est triste. Non, gain. Même pas, on va parler. N'a pas continué, amis téléspectateurs, avec Groupe Culturel TV Show pour cette fin de semaine. Tête droite vers la date du samedi 16 juin prochain. Côté que Double L Production, dirigée par Linda Lambert, a préparé une soirée élégante pour la fête des pères. Plus détails avec Linda Lambert au micro de Carmel. Amis téléspectateurs, nous avec une grande dame qui est dans la communauté. Qui fait un pile belle bagaille dans la communauté haïtienne, c'est Linda Lambert. Linda, qui est notre artiste, Double L Production, qui est notre production, qui est Double L. Linda, qui fait un gros travail, qui prend en charge responsabilité pour faire organiser fête papa que personne n'a jamais fait avant. Linda, petit fils, salut, comment est-ce? Salut, Kamel, et je salue tous les téléspectateurs qui ont regardé, c'est un plaisir pour avec nous à soir. Linda, je ne comprends rien de ça. Moi même depuis petit monde, m'tan des petites musiques faites papa, mais grosse chaise ça. On mettait sous tête ou pour faire mesdames, yo mettre monsieur dehors les faites papa. Qui ça motive pour faire ça? Bon, Kamel, c'est pas premier monde qui m'a posé même question ça. Et c'est un plaisir pour me honorer les hommes, honorer les pères parce que nous mêmes filles nous gain 364 jours pour nous. Donc un grand jour que nous baillé monsieur, on pas qu'on l'a dérangé parce que sans papa nous pas d'a gain maman. Donc c'est un honneur pour moi pour me honorer les hommes. Linda, année passée fête la t'es belle. Nous gain en pile monde que nous parle avec eux qui dit fête la t'es belle, son belle fête et on décidé pour continuer encore. Qui ça cap gain année ça dans fête des pères là? Oui. Année passée fête la te belle, année ça la pi belle toujours. Année ça n'a gen harmonique et jazz ben yem nan, jazz incroyable la main bon dégagé parce que gen moun ki et surtout moun nan l'âge moi yo qui pas fin connaît qui ça harmonique offri. Qui pense harmonique c'est ben yem seulement, harmonique pas ben yem seulement, harmonique gen en pile dans répertoire li et puis harmonique interprète musique et tropique et doyen tant coup septembre et coupé cloué tabou combo et tout ça donc harmonique après kebe moun entertain et puis nous gen DJ Nicky Mixou et Kapla tou et puis nous gen Woupi nous gen n'a gen pile bagan pile surprise pour soirée vraiment moun yo pas regretter ça et c'est qui côté fête la fête Linda soirée a fait dans Indian Spring Country Club son bel country club bon bagaille vraiment et élégant qui dans Boynton Beach. Et c'est dans El Clair Ranch Road que lié Indian Spring Country Club. Et pour les gens qui étaient là, ils ont parlé de ça tout.
country club ça très nice, très élégant. Depuis on paraît, il y a un valet parking, donc a gagné un cocktail hour, a gagné un dîner complet, 3 courses meal. Donc moun yo a satisfait, moun yo a satisfait quand même. Et moun ki poko pran ticket yo, kap ki gen de l'idée yo, ki so ap di yo? Bon, moun ki poko vini pressé parce que ticket yo ap vann la tan kou pate chaud. Donc rele m ou du moins contacte m nan Facebook, téléphone moi c'est 561-758-0999. Fais ça pressé parce que c'est sous réservation seulement, ticket pa vann n'importe parce que c'est un gala sous réservation. Donc m ta suggéré si nous vle vinn vraiment prend part de ça kap fait là et pour pas vinn di nous prend ticket nous d'avance. Parce que ça que t'es passé l'année passée, année ça l'a pire mal toujours. Ah définitivement, définitivement parce que année passée c'est commencé, n'a pas commencé, donc avec le temps et n'a amélioré, avec le temps n'a progressé, donc et moun qui était l'année dernière, yo m'encourager nous et pour nous venir année ça encore et que n'a pas bagay yo a pas amélioré et moun qui poko gen chance venir tout, donc venir pour pas venir dire nous, donc venir pour nous ouais peut-être pas nous. Janine Dadi, la pa kite moun vini di nou, vini pou nou wè, encourager sa kap fèt nan communauté a. Linda Lambert, c'est un jeune dame qui prend responsabilité pour célébrer garçon qui pa jam fèt avant. Linda, ki dernier mot ap di moun yo avant m kite ou chapé pou lou? Bon, moi même ça m'ap di nou faut nous bay garçon yo honneur que yo mérité parce que pa gen moun ki parfait. Même j'ai pas gagné maman qui pas fait, pas gagné papa qui pas fait. Donc parce que gagné en pile critique tout sous ça. Quand elle femme dit, gagné mon qui dit pour qui ça va honorer papa pour ça. Bon si pas gagné papa, pas gagné maman. Donc nous obligé bail papa yo honneur que yo mérité. Donc fait ça, mener ménage nous, mener mari nous et tonton cousin tout ça comprendre que nous vraiment et baby sit monsieur joue ça comprendre même suggérer que c'est mesdames qui conduit monsieur joue ça donc mener monsieur pour une fois un jour dans l'année dans 365 jours ba un jour pour yo célébrer yo même. Merci Linda petit vieux, merci. Merci à Bill Carmel, merci téléspectateurs yo et m'attend nous 16 juin samedi 16 juin dans Indian Spring Country Club. À ne pas rater. À ne pas rater soirée, à ne pas rater sous aucun prétexte. Bienvenue dans Happy TV vous invite, amis téléspectateurs, l'invitation est lancée, formulée encore une fois, nous espérons que nous toutes et nous chaque, particulièrement qui habitait dans Sud Floride, a fait le déplacement pour le samedi 23 juin prochain pour nous participer dans la soirée célébration du deuxième anniversaire de Happy TV. Une artiste qui en vedette dans la soirée ça, c'est Capi du Tabou Combo qui te prend plaisir pour l'inviter nous en chantant. Amis téléspectateurs, je capable constater un artiste au piano, il s'appelle Ivo André Capi que nous tous connaissons. Capi, nous pour là par surprise qui joue. Bon, en forme et m'a attendre moi ça, comme nous j'a là, nous tous là. Bon, Capi, c'est pas tout le monde qui connaît qu'on joue piano. Bon. C'est pas grave. Bon, m'apprendre piano, ma veulent pour moi, veulent pour tête moi, veulent pour plaque solo mio justement. Plaque solo n'a présenté dans Casa Champette là. C'est moi qui joue sur piano là d'ailleurs, me composer musique. Et musique composer, musique arranger. Donc je me sers du piano pour justement pour composer, arranger puis performer plaque moi que mon pas connait dans Tabou Combo. Ça va me font bah tout à fait différent dans Tabou Combo. Voilà. Bon, maintenant, comment différencier l'artiste que moi koyé avec le Tabou Combo? Je connais l'homme ou son artiste ou son entité. Mais dans le cas pour là, c'est comme si je réalisais que son monde dans le Tabou Combo ou un capi koué et le retirer capi dans le Tabou Combo, son l'autre monde koué.
bon, j'ai eu l'opportunité d'étudier la musique parce que l'homme a décidé de devenir un musicien professionnel. Je me suis donné pour mission, pour mon devoir d'aller à l'école et d'apprendre ce qu'on appelle musique. Donc j'ai appris m'apprendre basics of music. Moi fait théorie avec en pile leçon théorie avec monsieur Tite Pascal, des professeurs théorie moi. Et puis mal dans l'école piano, mal l'école jazz piano dans Manhattan School of Music, mal dans The Muse in Brooklyn, mal dans Brooklyn College, je me prends leçon classique en professeur dans Brooklyn College. Donc je m'y connais en musique, mais ça encore une fois ça m'a fait un tabou comme bois, n'a rien à voir avec projet solo mio. Donc projet solo mio, moun toujours étonné, yo est capi comme arrangeur, comme compositeur, comme chanteur et puis comme producteur, you know, m'a produit musique. Donc m'garder deux entités ça yo, m'garder tout à fait à part. Et donc son moun wè m'ap jouer piano, li saisi, but si yo pa konnen m'ap jouer piano, too, it's fine. M'ap fè pou moun, m'ap fè pou connaissance personnelle mwen, and I've been doing it for over 30 years. Bon, maintenant, Capi, samedi 23 juin, c'est la 20 signature de ton tout dernier CD. Et ou pral performer tout dans la soirée ça. Et au moun kap gade nous là, kap tande nous là, à qui ça doit attendre nous et attendre pour soirée ça de ou même. Bon, first of all, le monde qui vient, il a payé seulement $20. Et puis il y a un CD Capi gratis, ti chéri. Justement, il y a un volume 7 là, et dernier volume là, which is called The Best of Afro Caribbean Project. Il y a un. Ça dans l'autre volume yo tout, il y a bien héritage. Dans héritage, j'ai une belle musique que me fait depuis 2014 pour football mondial là. Très très belle composition, disons son musique traditionnelle haïtienne. Moi prends et puis mettre l'autre parole là-dedans et qui relatif à football. Donc vini en grand nombre, il y a pour Capi, il y a pour Justin Mesidor, il y a pour Aubry Blague et puis en plus c'est anniversaire et production Roupi. Et ça fait 2 ans que la milité sous béton hein, et qui a porté bonne nouvelle pour nous et entertainment spécial et son bagage qui vraiment vraiment hors pair son bagage de classe Roupi faire. Donc viens supporter Roupi, viens supporter Capi, viens supporter tout artiste haïtien qui a fait ça le 23 juin à Casa Champette. Parfait, Capi nous pas dit plus et n'a quitté le public là apprécié en musique qu'on choisit. Puede hablar español, él puede decir, señora, yo te quiero. Navin Pangres la na casa champette, le samedi 23 juin, à Coupi, cap célébré 2 ans. N'a pwe Capi, cap chanter, n'a pwe Capi, cap jouer piano, n'a pwe Capi, n'a pwe Aubry, n'a pwe Roupi, n'a pwe Mesidor. N'a pwè tout moun. Vini applaudi, vini supporte les artistes haïtiens. Nou doué yo sa, pou nou honore yo, pendant que yo vivant. Merci. Très bien, il pas de rapide, on passe sa capi. Improvisation cap tombe, zami téléspectateurs, le rendez-vous est pour le samedi 23 juin à Casa Champette, la soirée de Capi. N'a bien CD Capi gratuitement, et puis n'a bien de très belles performances. Donc zami téléspectateurs, n'apte nous. À l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de Harpy TV, Roupi Production Television, nous tout invités dans la soirée ventinature du dernier CD en date de la mégastar du Tabou Combo Superstars, Capi, cap également en performance live. Dis-moi ça, vous voulez faire. Rendez-vous samedi 23 juin 2018 dès 10h du soir à Casa Champette de Pingo Pines, Florida. Et également au menu de la soirée, cocktail de blagues avec les meilleurs comédiens de la ville. Kiki le blagueur, Aubry Blague, l'humoriste Jester Mesidor et Roupi the Entertainer. Invité d'honneur, le grand chanteur Casimir des frères Desjean de Pétionville et l'excellent guitariste Ronald Smith en live. Exposition et vente de peintures traditionnelles venues directement d'Haïti. Rencontrez le staff de Harpy TV, venez dire bonne fête à Roupi Production TV et dansez toute la nuit au rythme de DJ Kiki, le meilleur de la cité. Rendez-vous 10h du soir, samedi 23 juin 2018, Casa Champette 7920 Pines Boulevard, Pembo Pines, Florida, pour chanter, danser et fêter avec Harpy TV. Admission $20 à l'avance. Free CD de Capi du Tabou Combo inclus. Pour information, 954-729-2214.
RPTV, Rupi Production Television invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo-reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi The Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973-517-6308 ou encore 954-729-2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, publication, événement public ou RPTV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la gonne en route. Amis téléspectateurs, nous apprécions côté là ensemble avec nous dans l'émission Journée Jodian. Nous espérons que les moments passés étaient particulièrement agréables. N'a pas cassé rendez-vous samedi prochain pour notre émission Rupi Culturel TV Show. Bon week-end et à la semaine prochaine. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion.